Allez, jour 5, je quitte Saint-Valery. L'entrée du port de Saint-Valery, c'est pas large. Faut pas rentrer de mer et puis être bourré. L'état des voitures. Tous plein de fientes de mouettes. Tout rond là. C'est les joies des bordures de mer, ça. Bon, aujourd'hui je quitte Saint-Valery. Ça y est, j'ai fini de monter la côte. Ça va être une étape où il y a beaucoup de plaines. Je vais avoir à peu près 9-10 bornes là. Ça va être que de la plaine. Je ne pense pas qu'il y ait grand chose à voir. Je vais risquer d'être en plein vent aussi, donc je vais donner un petit mot tout de suite comme ça. Ça c'est pas grave. Pardon, c'est pour moi. Donc voilà, essayer de faire les 10 bornes ce matin. Et puis la point de chute Saint-Martin du Buneau ou du Bonneau, je sais plus. Voilà. On arrive à la centrale de Paluel, encore quelques kilomètres avant d'arriver. C'est juste pour vous faire écouter le bruit quand on est dessous. Je ne sais pas si on entendra la vidéo. La facture. Alors là on est sur une grande route. La GR elle est bien conçue parce qu'ils ont fait une petite contre-allée. Pour pas que ce soit trop dangereux, c'est bien fait. À peu près 300 mètres sur la grande route comme ça, et puis après on va retourner à gauche, direction Janville. Et après Janville, direction Velette, où on sera le point de chute pour déjeuner. Les Velettes. Je serai pour midi un quart, je pense. J'aurais fait à peu près 13 km. Wali Walou!
Bon, ben ça, faut pas le prendre. Sinon, c'était quoi? C'est tout seul, ça. Tamisage pour enlever tous les gros morceaux, les mettre en dessous et garder que le bon. À droite vous avez ce qui est tamisé et à gauche tout ce qui est encore à tamiser. Je pense que j'ai du vent depuis que je suis parti du Tréport, mais je comprends pourquoi. Ils n'arrêtent pas les ventilos, alors j'en ai marre. Je vais regarder si je peux pas faire quelque chose dans la salle des machines en bas. Ouais, j'ai chopé là deux gars, ils sont en train de voir pour baisser un peu les ventilos là, parce que ça souffle trop. Là, je vais arriver au camping des mouettes. Saint-Martin au Buneau. J'ai dû faire 22, 23 km, je pense, je sais pas trop. Je sais pas, regarder sur mon téléphone, mais bon, ça tourne autour de ça. Toujours mal aux pattes. Mais bon, petite nuit là-dessus, ça va s'arranger. Emplacement pour cette nuit, à l'abri du vent, avec un.